Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? La Fed lutte contre l'inflation qui est au plus haut depuis 41 ans. Le prix de l'or, quant à lui, a surperformé le Bitcoin jusqu'à présent cette année. Les prix des crypto-monnaies et de l'or augmenteront si la Fed est obligée de relever son objectif d'inflation à 3%. Wall Street a ouvert en hausse, tandis que les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets de 3 ans, les investisseurs ayant les yeux rivés sur les résultats des entreprises. Le système d'immigration du Brexit aurait ouvert la moitié des emplois britanniques aux travailleurs étrangers, alors que de nouveaux chiffres révèlent que le nombre de migrants non européens arrivant dans le pays a explosé au cours de sa première année. L'action Volkswagen a connu une légère correction à la baisse lors de la dernière session, chutant de 0,1%. L'indicateur Williams indique un marché survendu. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,2%. L'indicateur stochastique RSI indique un marché survendu. La livre sterling a baissé de 0,3% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange. L'indicateur stochastique donne un signal baissier, ce qui va à l'encontre de notre analyse technique globale. La paire dollar australien, dollar américain a perdu 0,5% lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur ROC conforme à l'analyse technique globale. La confiance des consommateurs en Irlande sera publiée à 23h01 GMT, les importations du Japon à 23h50 GMT, les mises en chantier de logements aux États-Unis à 12h30 GMT. Les exportations du Japon seront publiées à 23h50 GMT, les minutes de la réunion de la RBA en Australie à 1h30 GMT, le taux de chômage de la Finlande à 5h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.